des ressources, semble-t-il, c'est le 15 Asiatica, avec un petit peu plus loin aussi Wheel of Dream, le Bahamien qui est sollicité au bras déjà, avec également en position de contre le numéro 3 Sandiqué qui semble avoir quelques ressources intéressantes. Les concurrents sont dans le tournoi final, alors que l'on voit une chute du numéro 5 Rose Éternelle. Les concurrents qui se dirigent maintenant vers la ligne droite finale sous l'impulsion du numéro 11, il s'agit de Viva la Playa avec en deuxième position à ses côtés Irico. On vient aussi avec Atikos et on tente de bien se défendre aussi avec Sandiqué. La dernière difficulté avec une terrible chute d'Asiatica et de